arriver à faire un musée de verre contemporain au bout du bout, qui est attendu pour moi, c'est vraiment attendu, au sens où il n'y a rien eu de fait pendant des années sur le verre, alors que quelque part c'est une expression artistique qui, dans le monde, a une grande importance. Pourquoi en France, alors qu'on a le plus grand héritage d'artistes verriers depuis le 19e siècle, pourquoi on doit attendre 2022 pour qu'un musée digne de ce nom, je veux dire au sens... Parce qu'évidemment, on ne va pas critiquer les collections aux arts déco, il y a des collections aussi partout dans les grands musées, mais dédiées à cette expression qui a sa singularité, qui va de plus en plus d'ailleurs montrer son espace propre. Je pense que c'est important de parler d'un espace propre, comme en céramique ou en photo. Voilà, il y a des espaces qui se créent, qui ont été très longs. La photo, c'était très long pour qu'un espace photo pour les artistes se définisse, aussi bien chez les plasticiens que chez les photographes plus, entre guillemets, artisanaux. Enfin, on a fini par rassembler dans un véritable champ la photographie. Mais la même chose pour la céramique, et maintenant ça va être la même chose pour le verre. Mais comment s'est-il qu'on ait dû attendre si longtemps? Planté dans l'ancien hospice de Conches. C'est un édifice du 19e siècle, il a été créé en 1860. Pendant longtemps, ça a été un hospice avec des tas de petites chambres. Aujourd'hui, suite aux travaux qui ont été faits avec l'architecte qui a aussi mené le travail, le projet architectural, on en fait un musée, on a ouvert les espaces, on a fait des grandes pièces. Il a installé bien sûr des vitrines. C'est vrai que quand je regarde les photos que j'ai faites là du chantier, j'étais habité par l'esprit de l'architecte, qui encore une fois va sublimer un projet, va y apporter sa touche personnelle, va y apporter ses idées. J'étais habité par ceux qui y ont vécu avant, parce que là aussi, ça a été à un moment donné un hospice de charité, et puis c'est devenu un hôpital, et après c'est devenu une maison de retraite. Et donc c'est un lieu qui est habité par le passé et par la vie qui s'est déroulée ici. Donne une place très importante à la pâte de verre, qui est une technique parmi d'autres. Pâte de verre, c'est le fait de fondre du verre dans un moule. Mais en réalité, on peut réaliser des objets d'art en soufflant le verre, on peut réaliser des objets d'art en le thermoformant, c'est-à-dire en le déformant sur un moule, de manière à le rendre bombé. On peut réaliser des objets d'art en travaillant le verre devant un petit chalumeau, ça permet de réaliser des petits objets très minutieux. Et puis on peut utiliser du verre plat pour le peindre, on peut utiliser du verre plat pour réaliser des vitraux, on peut utiliser des dalles de verre qu'on va sculpter à la marteline, au marteau, ou encore qu'on va graver à froid, on peut le tailler. Et toutes ces techniques-là, les verriers se les approprient pour réaliser des œuvres d'art. Moi, j'avais un secret espoir, évidemment, que ça débouche sur un musée d'écorchement. Mais en fait, ça paraissait très difficile d'aller de but en plan, d'aller leur dire, vous dites donc, pourquoi vous ne faites pas un musée d'écorchement? Enfin, c'était évidemment ce qu'on, nous, on attendait. Pour l'ouverture du nouveau musée, on organise une exposition temporaire d'artistes. Philippe Baldwin et Monica Gugisberg, qui sont des artistes, lui est américain, elle est suisse. Ils ont vécu en Suisse, en Suède, ils ont vécu à Paris également. Et puis, plus récemment, il y a 5-6 ans, ils ont installé leur atelier dans le Pays de Galles, au Royaume-Uni. C'est des globe-trotteurs du verre. Et on leur consacre une exposition, ou plutôt pour l'ouverture du musée, on leur a offert une carte blanche et ils ont travaillé sur le thème de l'amphore, qui se sont réappropriés. Cette exposition temporaire s'appelle Amphore Métaphore. Ils revisitent le thème de l'amphore, qui est un thème bien sûr ancestral, et dont la forme, ce qu'on peut obtenir quand on souffle une boule de verre à travers une canne de verrier. Non, on a décidé avec cette exposition de retourner un peu à nos racines. Et l'objet de l'amphore a nous préoccupé pendant très longtemps, presque 20 ans. Ça, c'est un élément dans notre travail. Et là, pour cette expo, on a décidé que toute l'expo va être concentrée sur l'amphore en soi-même, son histoire, sa forme, sa beauté,
et inclusif aussi quelques éléments de notre engagement avec la société contemporaine, les politiques, les problèmes de l'environnement, du climat, etc. Donc il y a toujours dans notre travail, il y a toujours le respect et le désir de créer des choses en pleine beauté, mais récemment on a aussi ajouté un élément plus politique, quoi. Plus politique face aux problèmes de nos jours. Et partiellement, il y a ça dans l'expo, mais il y a aussi les traces de l'histoire de l'Amphore jusqu'à l'Antiquité et même bien avant l'Antiquité, jusqu'à l'âge néolithique. Parce qu'on a toujours l'impression que quand on dit amphore, on pense aux amphores grecs de la Méditerranée, etc. Et quand on a commencé la recherche, comme Philippe dit, on a trouvé qu'il y a, c'est une histoire bien plus longue que la civilisation que nous on connaît. Et ça, c'est un peu l'histoire, elle se renouvelle tout le temps. C'est-à-dire, on ne peut pas rester statique. Dès qu'on creuse un peu plus, tous les 10 ans, il y a une nouvelle découverte. Alors, il faut remettre en question. Mais c'est important de se remettre en question basé sur des choses qu'on connaît, qui ont passé. Alors ça, c'est un peu aussi le chemin qu'on fait. Et comme Philippe dit, on aime bien présenter nos choses qui nous tiennent au cœur par une interprétation en beauté, parce qu'on trouve que ça touche mieux. Et les gens, ils sont plus ouverts à la réception de ce message. C'est vrai que j'avais dit à Alfred Recourt, je lui avais dit, écoute, on a ici des verriers qui sont des gens très solides. On a Étienne et Antoine Leperlier qui sont les petits-fils de Decorchemont qui viennent de réouvrir leur atelier, un atelier. Et je pense que ça serait beaucoup mieux de réfléchir à la création d'un musée en lien avec les arts du feu. Parce qu'à l'époque, je ne connaissais pas assez le verre pour ça, pour penser qu'on aurait suffisamment de matière sur des décennies. Je pense que le premier vrai contact, disons, avec la municipalité, ça a été quand, en 92, je ne sais plus, 91, 92, avec Étienne, on se trouvait un peu à l'étroit dans l'atelier qu'on avait, qu'on partageait, qui était l'ancien atelier de mon grand-père. On s'est dit, bah, après tout, il faudrait peut-être qu'on trouve autre chose et qu'on s'installe ailleurs, un truc plus grand. Et là, c'est un ami d'ailleurs qui m'a dit ça, mais pourquoi vous ne proposez pas à la mairie d'acheter un bâtiment et puis qu'en échange, ils vous achèteraient des pièces ? Je vous dis, là, je découvre, parce que je ne suis pas du tout associé à ce musée, mais pourtant, je sais quelque part, il participe de mon histoire, et voilà, ça fait partie maintenant d'évidence, comme une chose qui paraît évidente, mais c'est un peu un grand cadeau hein, pour la famille. D'autant qu'ici, la chapelle a été faite, restaurée par mon arrière-grand-père. Donc, à Conches, c'est une famille, finalement, depuis le XVIIIe siècle, qui a toujours eu
une présence forte dans la ville. Ça a commencé avec les Lomoniers, donc les grands-parents de mon grand-père, et puis les parents de ces gens-là qui travaillaient à la fin du 18e, au milieu du... Bon, et donc les Lomoniers ont été importants dans Conges, ils ont eu place à la mairie, ils ont participé à la sauvegarde de l'abbaye ici quand elle a été détruite avant la Révolution. Il y a beaucoup de documents qui sont maintenant aux archives. Donc c'est un enracinement familial très fort. Et donc c'est un peu comme le point d'orgue, que ce soit un musée d'Écorchemont. En fait, derrière, il y a toutes les racines de la famille qui sont encore présentes par la présence des Lomoniers qui sont aussi à l'église, qui ont fait les buffets d'orgue. Enfin, il y a une présence. Donc ça me paraît très d'évidence ce que je vous dis, mais comme une grande surprise aussi, parce qu'ils sont arrivés à faire quelque chose qui comble les vœux de la famille sans qu'on les ait formulés. Ça fait 40 ans qu'on travaille ensemble. C'est pas toujours facile. Nous sommes rencontrés en Suède il y a 43 ans. On était en Suède pour apprendre le métier verrier, soufflage de verre. Ah ben, le reste, c'est l'histoire. Et on a décidé de travailler ensemble. Ça veut dire une collaboration artistique ensemble. Et par des miracles, parce que la vie est pleine de miracles, on est encore là, ensemble.